Bonjour à tous les amis, ici Yanhamu et bienvenue pour ce nouvel épisode de Civilization V, toujours en solo mais en compagnie du vieux sac qui est là, il est là le vieux sac, il est sur Marrakech, ce gros. Donc on attaque directement les hostilités, hein. Nous allons bien entendu voler l'électricité puisqu'on a deux tours du fusil. Voilà. Vous avez découvert l'électricité. Vous avez découvert l'électricité. Ouais. Alors nous avions un accord, voilà, lui il est agent spécial maintenant, ça c'est bien, ça c'est bon ça. Ça c'est topissime. Ensuite à Venise nous devions lancer une construction. Une usine serait bien à Venise, hein. Production plus 10%, production plus 4. Surtout qu'on a masse de charbon, ça va pas vraiment savoir quoi en faire. Après tout ça on en a un peu rien à faire. Ouais, je vais lancer une usine à Venise. Alors nous avions un accord, Learn2Play qui a fini d'ailleurs la tour Eiffel, baleine et pierres précieuses. Oh. Voilà, accord proposé. Donc, on avait exploré la map au tour précédent. Voilà, accord accepté. Oh yeah! Yeah. Donc, nous avions exploré la map, tout ça, on avait fait tout ce qu'il fallait. On était en train de muscler un petit peu nos galéas, là, tranquillou pépère. Nous avions des spadassins ici que l'on pouvait améliorer en spadassin à épée longue, ce qu'on va faire. Les piquets, eux, eh ben, il me faut du cheval, malheureusement. Le cheval, c'est génial. Mitrailleuse Gatling. Ah, je prends. Dis donc, ouais. Des mitrailleuses Gatling. Ah, ouais. Ah, ouais, je prends. Elle qui est toujours coincée là. Ah, d'ailleurs, cette unité, je pense qu'il est temps de la dissoudre. Quoique. Bon, alors ici, on va la dissoudre. Ouais. Voilà, ça me fait un petit peu d'or en plus. Donc. Oui, ce que je voulais faire également, c'était ouvrir à côté sur l'autre ordinateur, donc la page YouTube. J'ai une caravelle ici, donc ça c'est bon. On a 13 de bonheur, les gars. Au niveau de la démographie, nous sommes premiers quasiment partout. C'est le vieux sac. J'ai 4 items, il a 4 items. Voilà. Et je passe le tour. Oh yeah! Alors, dans l'épisode précédent, quels sont les commentaires que vous m'avez laissés? Ah oui, parce que le temps qu'il passe le tour... Voilà, il a, on va dire, un empire à gérer par rapport à moi. Hein, purement et simplement. Alors, cela, il va pas y échapper. Voilà. Hop, petit troll sur la vidéo de Learn2Play. Alors, emmerde ce vieux sac de Learn. Envoie tous tes espions chez le vieux sac. Il est grave avancé. Faites plus long. Bon ben les gars, hein, donc déjà Naël Chefa, sache bien un truc, c'est que tous mes espions en effet sont chez Learn2Play. J'essaie d'emmerder à mort le vieux sac, mais malheureusement j'ai pas vraiment les outils pour. Oh et j'ai une doctrine. Une doctrine les gars, une doctrine. Voyons voir ça, nous en étions là. Ouais bon. Oh yeah. Oui, je prends. Je passe ainsi à plus 112 de culture. Alors, nous avions des unités ici que l'on pouvait encore améliorer. Un arquebusier. Yeah. Mitrailleuse Gatling, elle peut pas être améliorée encore. Eux, là, on va les améliorer à mitrailleuse Gatling. Voilà. Paf. Bon, ça coûte de l'or. Je vous l'accorde. Néanmoins, c'est un mal pour un bien, hein. Alors, voyons voir ça. La route précédente, c'était celle-là qui me rapporte 23 ors, mais il y a celle-là qui me rapporte 26 ors par tour, les gars. Il va falloir que je fasse du bateau de commerce, d'ailleurs. Hein. Il va falloir que je me mette à crafter du bateau de commerce en masse. Tiens, paf. Voilà. Toi, du coup, tu vas retourner à Hong Kong, hein, parce que t'as rien à faire, en fait. Toi tu restes là ma chérie, tu te fortifies de l'amour. Voilà. Alors elle a terminé son projet, je suis toujours allié, ok, c'est good. Je gagne 105 ors par tour, j'ai 13 de bonheur. Bah écoutez les gars c'est parfait, moi je dis on est très très bon là. Là je veux dire on est très très bon, il va falloir multiplier les bateaux de commerce. afin de pouvoir fortifier une armée très solide. Oh, on gagne encore des cases. Oh, le village barbare ici. Oh, le barbare qui a capturé un colon, les gars. Ça, c'est beau, ça. Magnifique. Hein. Osaka qui s'est fait capturer un colon. Moi, j'adore. Ah, il continue à me tirer dessus malgré que je sois aussi loin. Ouais, bon, d'accord. Oh, yeah. Bois, 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 bois. Mobilité. Voilà. Et toi, tu te fais achever ainsi. Oh, yeah. Toi, tu peux encore évoluer en quoi? En fusilier. C'est parfait, tu évolues en fusilier, mon gars. Et nous avons découvert le fusil. Vous avez découvert le fusil. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Mène à l'archéologie, bof, les moteurs à vapeur, c'est bien ça aussi. Mais la radio, c'est bien aussi, il y a Broadway, mais bon, il l'a déjà fait, le vieux sac. Oh, sympa ça. On va partir sur sciences militaires. Ma mitrailleuse Gatling de l'amour qui veille au grain à ce que personne ne vienne m'embêter. Ma petite caravelle qui est ici, elle faisait le tour du monde, elle va revenir à Venise, hein, voilà. Il n'y a plus grand chose à en faire de toi. Voilà. Donc le fusil c'est bon, les héritiers de Milan, ouais bon, on s'en fout. Et je passe le tour. On enchaîne les gars, on enchaîne. Bientôt je pense qu'il sera temps de déclarer la guerre au vieux sac de Learn. Pour essayer genre d'y piller... J'aimerais bien les prendre Fès et Marrakech, ça le foutrait bien dans la merde. Ouais, si j'y prends Fès et Marrakech, ça le fout grave dans la merde. Mais avant il me faut accumuler un paquet d'or là-haut, un paquet tasse d'or. Ah ouais, si j'y prends Marrakech, il est mal en fait. Ouais, ouais, si j'y prends Marrakech, il est super mal. Ça serait pas mal. Je pense qu'après l'usine, vu qu'on aura de la prod, etc., on va attaquer la formation d'une armée. On va attaquer la formation d'une armée. Ouais, ouais, ouais. Je pense que ça s'impose. Ça s'impose, ça s'impose. Qu'est-ce qu'il fait le Learn là? Ouais, je sais pas. Ouais, ici la ville est pleine, j'ai même un citoyen disponible que je vais mettre dans l'école publique. Voilà. Hop, nos ouvriers du bonheur qui sont là. Ici il y a une cavalerie barbare qui peut se faire décimer si elle vient me voir. Oh! Le japonais fait beaucoup de merveilles. Hein. Le japonais fait beaucoup de merveilles. C'est assez hallucinant d'ailleurs. Tout en sachant qu'il est vraiment dernier au classement, il est à l'ouest quoi. Toi tu restes là, tu te fortifies ma fille. La caravelle tu viens là, on a dit. Tu vas rentrer au bercail. Ma galéas, bah tu te fortifies ici toi. Hein. Toi tu vas attaquer ce truc là. Voilà, on coule les bateaux d'abord. Toi du coup tu vas retourner... oh t'es bien là ma foi, ouais mais là t'es mieux parce que comme ça t'empêches ici un pop de barbare. Et tu te fortifies. Toi tu vas nous faire un comptoir commercial, il nous faut de l'or absolument. Oh yeah. Donc on va essayer naturellement de contrer le vieux sac de Learn2Play. Ça va être quelque chose d'absolument obligatoire. Nous ne voulons pas de l'ordre. Purement et simplement, il est hors de question de mettre en place l'idéologie ordre. Ça, c'est clair, net et précis, les gars. C'est clair, net et précis. Bogota a besoin de mon aide. Ah ouais, non, mais... Ouais, bon, c'est bon, on s'en fout de ça. Oh, les cavaliers! Oh, les cavaliers de l'amour! Attends garçon, 2 secondes s'il te plaît. Toi tu viens là. Ah ils ont fini d'explorer en auto là. Allez explore en auto toi. Toi tu vas tirer là-dessus hein. Paf, ça te fait gagner de l'XP ma foi. C'est pas plus mal. Les cavaliers barbares qui essaient de m'assiéger, de venir me voir. Ils peuvent toujours essayer les mecs, ils peuvent passer par là par contre, hein. Mais s'ils passent par là ils se font déchirer. Là je vous dis les gars ils se font déchirer la gueule les trucs. Hein. Je peux toujours pas les améliorer. Non, il me faut des chevaux pour là. Il me faut des quevaux, les gars. Il me faut des quevaux. Au niveau des unités, qu'est-ce que j'ai comme unité sympathique? Ah, j'ai les canons aussi qui sont bien. Parce que la mitrailleuse Gatling ne peut attaquer qu'à un seul, une seule case autour d'elle. Et ça, ça me gêne un petit peu. Donc je pense que je vais plutôt m'équiper de canons rapidement. Ouais. Et après, je vais attaquer aussi sur des... Il me faut des navires marchands. Allez, on passe le tour, les gars. Et Venise qui passe à 35 habitants, c'est juste énormitésimal, les gars. Oh, la victoire décisive. Paf! Paf! Ah ouais, là vous vous êtes fait sécher, mais un truc de malade mental. Ouais, vous êtes fait sécher, les gars. Ouais, on leur tire dessus, histoire 2, hein, ça nous fait de l'expérience. Paf! Et 2 au tapis, et 2. Alors ici nous pouvons faire une construction. On va faire encore un navire marchand, il me faut des navires marchands, les gars. Unité d'attente d'ordre. La caravelle, bah, elle va se fortifier ici, ma fille, tu vas te fortifier là. La caravane, tu retournes à Gades. Et ouais. Et je pense que je peux aisément passer le tour ainsi. Ici, là, il y a du charbon, mais il veut pas me faire un ouvrier, lui. Peut-être m'en refaire un jour, hein. J'étais bête de supprimer l'ouvrier ici, mais bon, c'est ma faute. C'est entièrement ma faute, j'assume complètement. Ici, je l'ai gardé, l'ouvrier, ce qui fait que... bah, ce qui fait que YOLO, hein. YOLO, quoi. Allez, je passe le tour. Et on est plutôt bien, là. On est plutôt même très bien, les gars. Très bien. Donc sachez une chose, on tourne cet épisode, il est lundi 19 janvier, donc la veille pour le lendemain, hein, comme des sacs. Putain, il les fait toutes les merveilles, le japonais. Hein. Ah, le japonais là, il est en forme. Hein. Oh, Learn2Play qui me bat totalement au score, il a une merveille de plus que moi. La production d'un château a démarré. C'est bien, moi je dis. Hop, toi tu te fais de l'expérience. Alors... Ici, toi, bah, toi, tu retournes sur ta montagne. Oh non, tu vas rester là, toi. Et tu vas te fortifier. Alors, le navire marchand de l'amour. Rabat nous rapporte 23 d'or. Casablanca aussi. Bah, on va faire Casablanca. Ouais. Allez, encore un autre. Et du coup, j'ai un citoyen libre. On va le mettre dans quoi, lui ? Dans le marché. Ouais. Bon, niveau science, on n'est pas mauvais. Surtout parce qu'avec les technologies qu'on vole au vieux Learn. D'ailleurs, tiens, on peut rien lui proposer à Learn comme échange là. Ouais, il faudrait peut-être. Ouais, non, mais de toute façon, Learn, j'ai bientôt lui déclarer la guerre. Là, j'accumule juste un petit peu plus d'or, les gars. Tu vois ça? Ah ouais, d'accord. Ouais, non mais c'est toi qui vois, hein. Ok. Donc on a découvert les sciences militaires, les gars. Vous avez découvert la science militaire. Ok. Venise réclame du marbre, ah bah non. Non. Allez, encore un navire marchand, s'il te plaît. Alors, dans la recherche maintenant. Les frégates nécessitent du fer, nous avons du fer. Ouh, l'artillerie, c'est bien ça. Ouais. On est obligé de faire navigation, c'est la truc la plus courte. Toi, tu vas revenir ici, du coup, tu vas regagner un petit peu de vie, ma fille. Hein. Parce que là, on est franchement léger. Le navire marchand, donc, il va aller... Oh, à Bogota, ça rapporte 20 aussi. Mais d'abord à Rabat. Voilà, comme ça, on gagne masse d'or. Et je passe le tour. Ah ouais, là je veux dire, on commerce jusque là quand même, hein, les gars. Là je veux dire, il n'y a pas de respect pour l'or. On n'a aucune ressource stratégique ici, le poisson il est super loin. Il y a des cervidés là-bas. Ok. Ah bah tiens, le Bouga ou Godaga qui rentre dans l'ère industrielle. Naissance d'un personnage illustre. On va voir ce que c'est juste après. Ici, un comptoir de commerce. Alors, nous avons un scientifique illustre. Bah écoute mon garçon, pour l'instant tu vas rester là. Un nouveau navire marchand, donc là ce coup-ci Bogota, obligatoirement. Hein, parce qu'il n'y a pas de respect. On va encore en faire un. Ouais, on va encore en faire un, voilà, navire marchand. Limite j'ai envie d'en acheter un ou deux comme ça à la cache-cache. Il nous faudrait un commissariat aussi pour éviter de se faire voler. Il y a la porte de Brandebourg à faire aussi, hein, qui rapporte 4 de culture les gars. Ouais. Tu vas d'abord nous refaire un petit navire marchand. Ah, nommer les délégués. Donc moi j'ai 7 délégués les gars. Donc ça c'est hors de question. Clairement, je mets 4 noms, même 5 noms à l'ordre comme idéologie mondiale. Et j'engage mes délégués. Oui. Voilà. Ah ouais, là les gars, il n'y a pas photo. Moi je ne veux certainement pas l'ordre. Ah non, là il n'y a pas photo hein. Rejeté, voilà. 5 noms de ma part. Ah, j'aurais pu le faire passer du coup ça. Vous voyez, j'aurais mis 2 délégués ici, ça passait. C'est bon à savoir pour la prochaine fois. Ah ouais, moi je bloque tout là. Je bloque tout. Alors nous allons proposer donc, bah comme d'habitude, hein, religion mondiale. Le venisiacisme. Oui. Ah ouais, regardez-moi ça, idéologie mondiale or, donc 3 oui du Maroc, 1 nom du Japon, 5 noms de Venise. Ah, ici par contre j'aurais pu faire passer du coup ma religion mondiale, avec j'aurais mis 2 oui de plus, ça aurait suffi à contrer l'ordre, ouais, bon, je peux pas le savoir. Hein. Moi je veux dire, je ne peux pas le savoir, j'attends juste de découvrir la navigation pour cramer mon savant illustre. Permet de capturer des navires ennemis, t'es sérieux ? Oh, c'est bien ça, on va en faire quelques-uns. Mais bon, mon principal problème aussi, c'est que je n'ai qu'une seule ville pour produire. Je dois vous avouer que c'est assez chaud quand même. J'ai pas découvert d'aluminium quelque part, sérieux? Il n'y a pas d'aluminium nulle part là? Hein, de l'aluminium, non? Déjà à quoi ça ressemble l'aluminium? Ah ouais, non, j'ai pas d'alu, hein les gars. J'ai pas du tout d'aluminium, ça va pas le faire ça. Ici il y a de l'encens, ici il y a du charbon que j'ai pas exploité parce que je n'ai un peu rien à foutre. Ah ouais non, on a aucun aluminium les gars, on a aucun aluminium idée. Est-ce que Learn2Play en a d'aluminium? Ici on sait pas trop, d'accord. Ah je crois pas qu'il en ait ici, il a du fer le sac. Des scieries, du charbon. Ici il a de l'encens. Mombasa, elle a quoi ici? Elle a du fer. Putain, il n'y a aucun qui a des que vous quoi. De l'argent. Ah non, il n'y a personne qui a de l'aluminium, j'ai l'impression. J'ai pas l'impression. Alors, nous avons découvert la navigation, voilà. En science, donc, nous allons faire l'archéologie, direct live. On va cramer notre savant illustre. Voilà. Comme ça l'archéologie est à un tour. Le navire marchand du bonheur donc. On va aller voir Osaka. Voilà. Ici donc on va commencer les constructions un petit peu plus défensives. Du bonheur j'en ai encore à revendre pour l'instant. Bientôt on va déclencher un âge d'or d'ailleurs, c'est vachement bien. Prochain tour une doctrine, ça c'est génial ça aussi. On va faire la porte de Brandebourg. Parce que j'ai envie de me payer une merveille. Et voilà. Donc je gagne 190 heures par tour les gars, c'est la richesse la plus absolue. Je crois que dans aucune de mes parties de Civilization 5 je suis monté autant. Bon c'est grandement grâce au commerce hein. 150 grâce aux routes commerciales hein. J'ai découvert l'archéologie, voilà, adoption de doctrine possible. Apparition d'un artiste illustre, c'est toujours bien. Ah ouais, il nous faut ça aussi là, en dessous là. Donc on va devoir faire ça malheureusement. Oui. Voilà. Alors j'ai découvert un site antique ici. Ok. L'archéologie les gars. Vous avez découvert l'archéologie, voilà. J'ai suffisamment de fois si je veux acheter un truc, mais j'en ai un peu rien à foutre. Nous allons donc faire donc, les tours de radiodiffusion pour la culture maintenant. Donc nous allons partir sur la radio. Et je passe le tour les gars. Et nous allons passer à 36 citoyens. C'est énormitésimal. Et on est toujours dans le bonheur le plus absolu. Hein. Tu protèges Mombasa? Mais je suis allié avec Mombasa, connard. Tu peux pas le protéger, hein. Ah, allié, d'ailleurs, on va faire un petit don. Tiens, on va te filer 500 or. Voilà. Histoire de remonter un petit peu dans l'alliance avec Mombasa, parce que l'autre, là, je me méfie un petit peu. Ça y est, toi, t'es full life. Oh, tu peux évoluer en frégate. Yes! Mais je prends direct live, les gars. Direct live. Vous évoluez en frégate, les mecs. Hop, hop, hop. Toi, tu peux pas évoluer. Non, dommage. Toi, tu vas aller là, tu vas aller exploiter les cervidés. En mode vieux sac. Voilà. Après, il faudra retourner ici. Il me faut absolument un archéologue. Et tiens, d'ailleurs. Ah, je peux apparemment pas faire d'archéologue pour l'instant. Dommage. Bon, je passe le tour. Je ne peux apparemment donc pas acheter d'archéologue. Ici, donc, on a deux nouvelles cases de plus. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est... J'aimerais bien que tu ailles me chercher la pierre ici. Oh, il y a un site antique ici à l'exploiter. Vers là, j'aimerais bien que tu te développes vers là, garçon. Ah. Dis donc qu'ils ne nous fournissent plus d'agrumes. On va devoir refaire donc notre commerce. Notre accord commercial de l'amour. Voilà, maintenant nous avons des frégates. On va aller surveiller un petit peu ce que fait le vieux sac. Et on va se rappeler à son bon souvenir. Voilà. Alors toi, donc tu nous fais un camp, bien entendu, pour faire ça. Le bateau marchand qui va nous embêter, donc ici à Tanger, donc 22 or. Oui, je prends. J'achète. Alors, l'accord avec Didon. Échanger. Des agrumes contre des baleines, tiens, allez hop. Très bien, voilà. Voilà, je remonte à 9. Alors, ouais, qu'est-ce qu'on peut échanger d'autre avec le vieux sac? Rien du tout, il me faudrait du marbre pourtant, j'aimerais bien acheter du marbre. Et avec Tokyo, ils ont rien les mecs, ils ont absolument rien, ça n'est désespérant. C'est désespérant, peut-être que j'essaierai d'y prendre 2 chevaux pour améliorer mon petit piquet, pour voilà, pour YOLO. Établir une route commerciale avec toi, ma fille, ça va être quand même assez difficile parce que t'es plutôt très très loin. Donc vous voyez, je suis allé avec Mombasa, ce qui fait que je vois ce qu'il voit. La déclaration d'amitié avec le Maroc a expiré, tant mieux. Paf! L'archer. Direct. Paf, 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 paf. Voilà, on compte pas nos boulets, nous, hein. Ah ouais, non, 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 on compte pas nos boulets, nous, hein. Les boulets de canon, les gars, c'est... voilà. C'est cadeau, hein. Oh yes, on a la pierre ici, on va pouvoir aller l'exploiter. Et je passe le tour. Oh yeah. N'empêche, on se développe à une vitesse colossale. Hop là, j'ai l'oublié. Nous avons un citoyen disponible. Quand on va être dans l'atelier. Voilà. Voilà, voilà. Parce qu'on est comme ça, nous. On a trop de citoyens à Venise. Venise, c'est la folie. Et le pire, c'est qu'on est bien. Franchement, on est super bien à Venise. Ah ouais, ouais, on est grave. On est grave bien. Regardez ça. Toutes les cases sont totalement exploitées. Bon, forcément, j'ai des cases de mer, donc c'est moins bon, mais... Et les cases de montagne aussi. Mais franchement, c'est énorme, quoi. C'est assez énorme. Ouais. Ouais, ouais, ouais. On est très très bien, là. Bon, ah merde, c'est moi, c'est moi qu'on attend les gars. Je me disais aussi, tiens, j'ai rien à faire. Ah bah si. Didon qui entre enfin dans l'ère industrielle. Donc clairement là, ça va se jouer entre l'heure et moi hein, pour la victoire. Mais je crois qu'il va falloir que je la... l'agresse. Je vais pas avoir le choix. Oh comment il est, puissant le bateau. Oh comment il est puissant le bateau, n'empêche. Ah ouais, là je veux dire c'est de la puissance, ça, c'est de la puissance. Lui qui fait un chantier naval, c'est cool. Lui il fait quoi? Lui il fait une bourse. Oh génial la bourse. On allie un petit peu avec toutes les cités-états, hein, clairement, hein, Mombasa, ici. Milan, on est à combien Milan? 118, c'est cool. Ah ouais, on a pris le pouvoir sur toutes les cités-états et ça c'est trop bien, ça nous donne masse de députés. Et ça c'est juste excellentissime. Ouais ouais ouais. On va aller voir ce qui se trame par là un petit peu là. Voilà, on va se protéger. Ah il faut pas bombarder, bon ben passe le tour hein. Ok. Oh. J'ai presque envie d'y foutre un embargo le prochain tour. Prochaine résolution mondiale. Qu'est-ce que vous en pensez les gars? Allez, vous avez vu, hein, Learn est à 900 et moi Learn est à 1009, moi je suis à 980. Du coup au congrès il y aura quoi? Financement scientifique, ouais je suis pas contre. Par contre, clairement, je vais prendre tout le monde un pied de nez. Je vais donner ma religion comme maître. On a découvert la radio, les gars. On a découvert la radio. Oh yeah. Alors, lui là, on va le déplacer. C'est clair et précis. Au Maroc, forcément. Hein. À Rabat. Voilà, on l'envoie à Rabat. Alors, au niveau des découvertes, nous allons faire le pétrole, bien sûr. La biologie, c'est énorme. Et l'hôpital également, oui, plus 5 de nourriture les gars, oh yeah. Allez, eux on les sacrifie, paf paf paf, voilà. Vous, vous allez directement ici les gars, sans aucune forme de respect. Vous avez découvert la radio. La radio ça va nous permettre d'acheter. Il doit me manquer des trucs, c'est pas possible hein. Ah il doit me manquer des trucs ouais. Ah, il doit manquer des trucs à mon avis. On va acheter la banque. Hein. Clairement, parce que c'est ça, on est des sacs. On va acheter... quoi d'autre? Le dépôt d'armes. Voilà. Déjà, on est mieux un petit peu. Hein. Ouais, moi j'ai tellement de fric que je me permets d'acheter mes bâtiments. Et je passe le tour. Venise qui va être à 37 citoyens, les gars. Bientôt un âge d'or, là, bientôt un âge d'or. Ah ouais, ça va être bonheur ça, l'âge d'or. Moi je vous le dis, il me tarde l'âge d'or là. Allez, Venise qui doit avoir encore un... Oh yeah! Yanhamu a achevé la porte de Brandebourg. Vous avez dépassé, donc moi je suis contre, farouchement opposé à l'ordre. J'ai envie d'adopter l'égalité. Ou l'autocratie. L'égalité ça me semble bien. On va adopter l'égalité. Oui! Ah ouais ouais. L'égalité les gars. L'égalité. Alors, pour tout... Putain, il n'y a pas grand chaos par contre. Hein. Les personnages illustres apparaissent 25% plus vite, ça peut être sympa. Culture plus 1 pour chaque chef-d'œuvre. Hein. Bon, on en a qu'un seul, on a deux chefs-d'œuvre, mais on a deux. On va pouvoir poser deux archéologues, donc ma foi, ça peut être bien. Bonheur local plus 1 pour chaque hôtel de la monnaie, banque et bourse, ça peut être très bien, ça aussi. Ça peut être génial également. Ouais. Donc on va mettre quoi? On va mettre bonheur local plus 1 pour ça. Ouais. On va adopter ici donc alors plus 1 pour chaque chef-d'œuvre bien sûr. Voilà. Et après on verra. Mais là maintenant on va pouvoir les embêter. Alors ensuite... les gars. Venise, et puis là par contre... Voilà, on engage nos délégués. Hein. Eh oui. Ah ouais, je prends le pouvoir les gars, je prends le pouvoir. Alors du coup, ici maintenant nous allons faire une bourse, hein, puisque bonheur plus 1, purement et simplement. Nous avons un général illustre qui peut faire sa petite citadelle, mais pour l'instant on va le conserver à l'écart. Voilà, il va être là, tranquille pépère. Cette frégate attend du repop en fait ici, mais ça vient pas. Et je passe le tour. Et là le Learn2Play doit être en mode mais quel vieux sac. Mais quel vieux sac. Yes les gars, on devient organisateur. On les a tous tués. On les a tous tués. Et pan dans les dents. Oh, ça doit leur faire tellement mal. Un âge d'or commence. Toi tu crèves en direct live. Ma foi, qu'est-ce que je peux acheter avec ma foi? Bah, pas grand chose, hein, clairement. Voilà, on en a un peu rien à faire de la foi. Toi, tu nous fais une carrière direct live, mon pote. Oh, l'agrandissement de l'amour ici. Ah putain. Et c'est le dernier tour les gars. Le dernier tour du dernier tour. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On le fait traîner un petit peu. Donc j'ai mon âge d'or, j'ai la femme, on s'en fout. Donc Venise est élu organisateur. Ça c'est le pied le plus absolu, hein. Le portail, les influences, voyons voir ça. C'est où? C'est pas là en fait. C'est le portail diplomatique peut-être? Je sais plus où c'est que c'est. On va prendre 5 minutes en fin d'épisode du coup là pour voir un truc. Je veux voir les principes idéologiques. Non, c'est pas ça. Ah, je pensais que c'était le portail culturel. Ah ouais, Maroc, tout ça. Ah, il a achevé le Christ Rédempteur cet enfoiré. Ah ouais, là les gars, là je veux dire... Ah ouais, lui il gagne 27 de bonheur grâce à ça. Quel vieux sac. Oh, nous avons ici un chef-d'œuvre les gars. Un chef-d'œuvre. Mais ça sera pour le prochain épisode. Donc les gars, nous sommes devenus le centre, on va dire vraiment le centre de ce monde. Je fais bien chier Learn, mais à fond la caisse. J'ai refusé l'ordre. Prochain truc, je proclame la liberté parce que j'ai plus de délégués que tout le monde. Purement et simplement. Liberté, maître du monde les gars. Et voilà. Et là sur ce coup là les gars, je ne peux pas plus le faire chier. Je finis ma bourse et à partir du prochain épisode, on se prépare à la guerre. Et ça va être sanglant. Oh yeah! Donc, je vous remercie à tous. Portez-vous bien. Pensez à laisser des commentaires, des pouces verts, des pouces pas verts. Ce que vous voulez en dessous de la vidéo. Mais surtout des commentaires ou bien des images un petit peu adultes, on va dire. Hein. Voilà, c'est pour moi directement. Je vous invite à en poster. Allez-y, lâchez-vous. Et moi, je vous dis ciao, ciao, les gens.